précédemment dans une maison africaine. Si tu mets la bien activée, tout va bien se passer comme sur des roulettes. Imagine on t'attrape ou bien on te localise. Tu fais comment? Si on se focalise sur le positif, là, on va l'attirer. Donc c'est la seule petite problème. Pas t'inquiète. Tu apprends pour le plan. Yesh! Prise en flagrant délire. Ça avait été prise en flagrant délire. Mademoiselle, tu sors d'où à cette heure-là? J'étais. Et toi? Tu fais pas debout à cette heure-là? Comme moi, j'avais ton âge, je dormais à cette heure-là. Mais toi, tu es debout. C'est pour une raison. Laquelle? En fait, à la base, moi, en fait, j'étais... Donc, subitement, vous avez perdu l'usage de la langue, c'est ça, non? Donc, c'est-à-dire que vous ne savez plus parler, vous êtes devenu bobo. Seigneur, regarde ma part de souffrance, non? J'ai tout fait pour leur donner une bonne éducation. Voici ce que je reçois en retour. Ma fille est devenue une prostituée et l'autre, alors... Regardez comme elle est sec comme le bâton de manioc. Yesh. Bon, je comprends. Mais disons, nous attrapons, on fait comment? Comme c'est trop difficile pour que toi, tu sois positif là, y a pas de problème. Retiens bien ces commandements, tu comprends? Si c'est 10 là, c'est pas la peine, c'est trop long. C'est pas 10. Oh. Ça fait sur Angelus. C'est pas les 3 là. Oui, ça passe, je peux retenir. On peut dire ça, mais c'est pas religieux. De toute manière, le premier commandement, tu mentiras. Je suis lent à la colère et très impatient. Je vous écoute. On n'a pas que ça à faire. En fait, moi, je circulais comme le vent circule de l'est à l'ouest. C'est quand j'ai tenu l'est, je suis venu voir à l'ouest et j'ai entendu une voix familière à la porte. C'est quand j'ai ouvert la porte et puis elle est rentrée. Sinon, moi, je n'étais même pas là. Je dormais à la base. J'étais allée à l'église, au culte, la prière du soir, ça a fini tard. Wesh! Donc... Malchance! Donc, mais je te blasphème sur la maison du Seigneur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, péché capital, tu blasphèmes. Depuis quand tu t'habilles comme une prostituée pour aller à l'église? Dis-moi. Je dis, hein, je n'ai pas tué mon père, je n'ai pas tué ma mère. Donc, c'est pas vous deux. Il est venu me tuer dans cette maison, vous comprenez? Tu comprends, non? Attends, chérie. On va arriver au but de cette folie-là. Vous me connaissez très mal. Ma patience a des limites. Donc, Maro, tu disais que toi, tu es juste de passage. Mijou, c'était comme le culte. Qu'est-ce que le prêtre a dit? Le deuxième commandement, tu ne briseras pas en cas de pression. Je me sens attaqué. Oui, parce que toi, sous la pression familiale, tu vas plus rapidement qu'un glaçon au soleil. On se connaît. Le prêtre, il a dit, il s'aimait les uns les autres comme... Yeah! Tu continues de mentir? Délinquant. Oui, criminel. Yesh! Yesh. Chérie. Mademoiselle, vous nous prenez pour qui? Hein? Vous pensez que nous sommes nés de la dernière pluie? On vous dit restez à la maison, restez à la maison, il y a le virus dehors. Vous voulez sortir, vous avez trop grandi. Ne vous inquiétez pas. Je traite les enfants rebelles comme vous deux. Papa, moi, je suis pas sorti, c'est lui, je sais que... Quand on parle, tu te tais. Tu comprends, non? Tu te tais. Papa, c'est pas moi, c'est lui. Je sais, toi aussi. Un complice. Danger public. Elle demande la malchance, non? Vous savez, quand mes mains me grattent, ça devient rouge et c'est pas bon. Et quand c'est pas bon et ça devient rouge, il y a toujours des pleurs et des grincements dedans.
pour la dernière fois. Tu sors d'où, mademoiselle? En fait, j'étais sortie un peu dehors pour comprendre un peu l'atmosphère pour mon projet de science sur la météo. Je dis, tu sors quoi avec le virus qui est dans l'air? Hein? Tu es devenue météorologue? Mademoiselle, tu es normale? Est-ce que ça va dans ta tête? On dit que le virus est très dangereux. Toi, tu veux sortir. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans confinement? On dit qu'il y a le virus, ne sortez pas. C'est là que tu veux devenir météorologue, c'est ça? Hein? C'est comme si j'en versé du sable, ils ont mélangé tes neurones. C'est ça, non? Maro, tu sais comment on traite les accomplices de ton genre? Pour le troisième et le dernier commandement, en cas de panique ou de dépression, tu actives le gilet de secours. Et c'est quoi le gilet de secours? Tu fuis. Tu sais ce qu'on dit. À chacun pour soi, Dieu pour tous. Je vais vous dresser comme on dresse les animaux domestiques. À cause de toi, je suis là avec les bandages. Tu as dit que ça allait marcher, non? Et puis il fait froid comme ça là. Tu n'es pas forcé de m'aider, tu as compris, non? Tu n'es pas forcé de m'aider. De toute manière, j'ai une solution. Fais-moi confiance. Confiance quoi? Mon œil! C'est pas ce que tu as dit le matin? Hein? De te faire confiance. Voici ça, on est dans la rue. Animal sauvage devenu domestique. Et puis, je ne suis même pas sauvage. Je suis sûre que c'est à cause de toi. Hein? Oui, c'est les gens de ton espèce qui ne savent pas suivre mes plans. Sinon, mes plans, là, ça marche à tous les coups. Tu comprends, non? Ça marche à tous les coups. Il ne faut pas me parler mal. Faut pas me parler mal d'elle. Sinon. De toute manière, la famille, abonnez-vous pour ne pas rater chaque fois que je poste des vidéos. C'est important, hein? Parce que tu nous vois, il fait froid. Au moins, ça va nous aider. Aussi, n'oubliez pas de liker, de commenter. Au moins, on va causer dans les commentaires. Ça va nous entretenir. Causer de quoi? Hein? Causer de quoi? De toute manière, il fait trop froid. Quand vous avez discuté, il fait trop froid. C'est quoi ta solution? C'est quoi la solution? Maintenant, tu es intéressé. On va passer au plan C.